Frappes israéliennes au Liban, qu'est-ce que la force al-Radwan, l'unité d'élite du Hezbollah? Vendredi, une frappe sur un immeuble qui abritait une réunion de l'unité al-Radwan a entraîné la mort de plusieurs de ses dirigeants. C'est une cible de choix pour Israël, qui l'accuse de préparer une attaque similaire à celle du 7 octobre. C'est l'une des principales cibles d'Israël actuellement. Vendredi, une frappe a visé une réunion du commandement de l'unité al-Radwan qui se tenait au sous-sol d'un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth. Son chef depuis cet été, Ibrahim Akil, numéro 2 du Hezbollah, a été éliminé, en même temps qu'une dizaine de commandants, a affirmé l'armée israélienne. Ahmed Mahmoud Wabi, un autre responsable qui a dirigé les opérations militaires d'al-Radwan, est également mort, a ajouté une source proche du mouvement islamiste libanais. Le bilan fait aussi état de morts civiles, dont 3 enfants et 7 femmes, dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel, selon le ministère de la Santé. Qu'est-ce que cette unité ? Al-Radwan est l'unité d'élite de la branche armée du Hezbollah, organisation chiite classée terroriste par de nombreux États, dont l'Union européenne. Selon le New York Times, elle tirerait cette appellation du surnom de combattant de l'ancien dirigeant et cofondateur du groupe paramilitaire chiite, Imad Mughniyeh, tué en 2008 après une longue traque lancée par le Mossad, les services secrets israéliens. Lorsqu'il était à sa tête, pendant plus de 2 décennies, le Libanais a participé à donner une toute nouvelle dimension au Hezbollah, passé d'une milice à une véritable menace sécuritaire pour Israël, multipliant les attentats terroristes. Al-Radwan aurait vu le jour en 2006, d'abord sous la simple description d'unité d'intervention. Selon le site d'information ICI Beyrouth, c'est l'unité d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique iranien qui aurait formé cette force spéciale, dans le but de professionnaliser la branche combattante du Hezbollah. Que font-ils ? Pour Israël, la force al-Radwan représente l'un des principaux risques pour sa frontière nord. Dès le 8 octobre, en soutien au Hamas, avec qui il constituait le axe de la résistance, une alliance stratégique soutenue par l'Iran, le Hezbollah a ouvert un front de soutien au nord d'Israël depuis le Liban. Chaque jour ou presque, des échanges de tirs meurtriers ont lieu entre les deux camps, forçant les civils à fuir de part et d'autre. Selon l'armée israélienne, l'unité al-Radwan a un rôle clairement offensif. C'est elle qui aurait pris la tête des opérations visant à attaquer l'État hébreu depuis le nord, afin de conquérir la région de Galilée. Dès janvier dernier, dans une interview accordée au New York Times, un général israélien à la retraite estimait que cette compagnie spéciale avait l'intention de commettre un massacre identique à celui perpétré par le Hamas le 7 octobre dernier, mais cette fois au nord d'Israël, via la frontière libanaise. Quelles sont leurs forces ? L'unité d'élite regroupe notamment des combattants expérimentés, qui, pour certains, se sont battus en Syrie au début de la guerre civile aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Ils sont entraînés aux assauts ainsi qu'aux infiltrations de frontières. Son chef Ibrahim Akil, tué vendredi et qui avait pris la place de Fouad Chokr lui-même abattu fin juillet, était recherché par Washington pour son implication dans les sanglants attentats anti-américains de Beyrouth en 1983. Côté matériel, la force avait fait l'étalage de ses moyens lors d'un rare exercice militaire public au printemps dernier. À grand renfort d'arsenal militaire hors de prix, ses membres avaient simulé une invasion du voisin du Sud. Une vidéo de propagande du Hezbollah avait également montré des entraînements de tir de cette même unité. Le tout ponctué de menaces directes contre Israël. Ces derniers jours, le Hezbollah a été affaibli par les opérations menées au Liban. Les attaques au Beeper puis au Talkie-Walkie ainsi que les frappes ciblées contre l'unité al-Radwan ont causé des pertes importantes, parmi les responsables. Au point de nuire à ses capacités offensives, espère Israël. Mais pour le think tank américain Institute for the Study of War, ISW, l'organisation du Hezbollah pourrait lui permettre de passer outre ses revers, dont les effets ne pourraient être que temporaires.